Bien, donc comme vous le savez, enfin, pour ceux qui me suivent un peu, je ne vais pas vous faire un topo théorique sur la théorie de l'État au sens strict. Je vais plutôt essayer d'éclairer l'actualité en prenant un peu de recul avec cette actualité et en revenant sur un certain nombre de notions que nous avons tendance à utiliser ou que nous voyons passer. L'État, typiquement, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. C'est celui auquel on doit penser quand on parle de souveraineté, quand on parle de liberté, quand on parle d'abus, de violence aussi, violence civile. C'est celui qui peut nous emmener à la guerre. C'est aussi celui dont on a du mal à discerner les objectifs. Bref, l'État, c'est une notion qui est très ancienne et qu'il est peut-être utile, sur lequel il est peut-être utile de revenir un instant. Le but de ce topo, c'est de vous amener à échanger après. Donc, je vais essayer, je dis toujours ça et je suis toujours trop long. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long, de façon à ce que nous puissions échanger ensuite. Je le dis à chaque fois, mais cette fois-ci, je vais m'y tenir. Même s'il y a énormément de choses à dire. Bon, je ne vais pas refaire, évidemment, toutes les lectures que vous pourriez avoir si vous regardiez les travaux des théoriciens de l'État. Il y a des gens qui ont consacré quasiment leur vie et leur œuvre à écrire sur ce sujet-là. Donc, c'est pas évidemment en 1 heure de temps que je vais pouvoir vous synthétiser le sujet. Et de plus, c'est pas l'objectif, c'est pas l'objet de cette intervention. L'État, c'est donc l'éléphant au milieu de la pièce, celui par lequel, nous pensons, nous espérons des solutions politiques. C'est celui qui s'impose dans nos vies lors de crises sanitaires. C'est celui qui s'impose sur la qui est censé nous représenter dans les crises internationales. L'État, c'est une notion bien ancienne et il est peut-être utile de remettre à jour un peu notre définition de l'État, notre vision de l'État, parce que précisément l'État, c'est d'abord un mot. Les mots sont pas les choses, comme vous le savez tous. Mais ce sont des outils qui servent à désigner ces choses, et on a tendance, parfois, il y a beaucoup de discussions qui sont perdues, qui sont en vain, en quelque sorte, lorsque les gens parlent d'une chose sans l'avoir définie correctement préalablement. Latin, l'État, étymologiquement, ça vient du latin stare, hein, donc se tenir debout. Cette notion de se tenir debout renvoie globalement à deux notions importantes. La première, c'est celle qui consiste. Ça me fatigue de pas voir tout le monde. Bon, là, voilà, mieux. La première, c'est celle qui est sa fonction religieuse. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Il y a effectivement un rapport de coproduction historique entre la religion et l'État. L'État staré se tient debout. C'est aussi celui qui incarne. Donc, c'est le principe de la. C'est le principe qui. S'inspire toujours par le phénomène de la culture, de l'ordre que les êtres humains, que les hommes en coopération, que les hommes en communauté voient, des lois qu'ils voient à l'œuvre dans le monde, de l'ordre qu'ils perçoivent autour d'eux, etc. Plus fondamentalement, le staré, ça veut dire aussi fondamentalement survivre. Alors, l'État naît de la défaite. J'ai coutume de dire que l'État naît de la perspective de la défaite. L'État naît de la nécessité d'organiser des coopérations sous stress vital, c'est-à-dire d'organiser des mobilisations, des synchronisations de groupes en vue du rapport de force, en vue du stress vital. L'État staré, c'est donc celui qui doit aussi se tenir en dehors de la bataille. Vous avez tous vu ces champs de bataille. Enfin, non, vous n'avez pas vu le champ de bataille, mais vous en avez vu au cinéma. Donc, vous avez vu les champs de bataille où vous avez des généraux à l'arrière qui envoient leurs troupes et qui dirigent, qui font de la stratégie, qui envoient les troupes à droite, à gauche, etc. Bon, bref, qui mènent une guerre. Et la première observation que vous pouvez faire, c'est que celui qui commande n'est pas au milieu de ses troupes. Il est à l'extérieur du champ de bataille. Il se tient à l'extérieur et il dirige, il coordonne en quelque sorte l'effort général. Dans cette vision-là, dans cette représentation-là, vous avez une idée assez précise du rôle historique de l'État. L'État, c'est donc celui qui organise la mobilisation en vue du rapport de force, la mobilisation entre guillemets, la synchronisation des membres. C'est celui qui rend possible le sacrifice aussi,
parce que il va pouvoir permettre, il va faciliter en quelque sorte le dévouement de l'individu au profit du groupe, et c'est aussi celui qui va simultanément assurer la pérennité de ce groupe, quelle que soit l'issue de la bataille, d'une certaine façon. L'État doit survivre potentiellement au désastre, il doit survivre à la défaite. C'est donc pour ça que je dis qu'il est que l'État est le résultat de la perspective de la défaite, parce que quelque chose doit se tenir dans le temps qui survive à l'enjeu, à la bataille, à l'épreuve de force, à l'enjeu de vie et de mort pour le peuple. De ce statut, on peut déjà dire une chose, c'est que l'État est profond par nature. Machiavel le définissait ainsi, c'est l'unité politique d'un peuple qui le double et peut survivre aux allées et venues non seulement des gouvernements, mais aussi des formes de gouvernement. Dans cette définition que vous avez, qui est une définition très classique, que la plupart des théoriciens de l'État connaissent et utilisent, il y a cette idée que l'État est profond par définition, c'est-à-dire qu'il ne risque, quelque chose doit survivre à l'épreuve de force, quelque chose doit survivre à la guerre, et ce quelque chose, c'est l'État. C'est aussi pour cela, et c'est parce que cette épreuve de force, c'est parce que cet État peut survivre au rapport de force, qu'il crée les conditions du dévouement de la coopération, et aussi, plus tard, de la commémoration des sacrifices de ceux qui sont morts pour le groupe, pour la collectivité, etc. L'État, donc, a une fonction d'incarnation. Il est l'unité politique du peuple, en vue du rapport de force. Il a une fonction de synchronisation, de mobilisation des moyens. On va voir ça très bien dans les guerres de deuxième génération, quand on va passer aux guerres de deuxième génération, qui sont des guerres de moyens, des guerres industrielles, par lesquelles les États vont aller chercher dans les profondeurs de la société, par les ressources, par les chemins de fer, vous connaissez l'histoire des taxis de la Marne, etc. Bref, par tous les moyens possibles et imaginables, l'État mobilise l'ensemble des ressources, l'ensemble de l'énergie de la société pour l'affecter, en quelque sorte, au stress vital, c'est-à-dire à l'enjeu de vie et de mort. Ou en tout cas, à ce qui est perçu par les gens qui vont se battre comme un enjeu de vie et de mort. L'État n'est pas le peuple. Vous connaissez la définition de Nietzsche. L'État, la définition exacte, je vous passe, que j'aime pas. L'État, oui, la signification de Nietzsche exacte, c'est oui. L'État le plus froid des monstres froids et le mensonge qui rentre de sa bouche et moi, l'État, je suis le peuple. Voilà, c'est la citation de Nietzsche que vous connaissez tous. L'État n'est pas le peuple. L'État se tient en dehors du peuple, l'État reste sauf, mais l'État peut mobiliser le peuple et survivre au massacre du peuple. Vous connaissez la bataille de Cannes, peut-être, qui a opposé les armées romaines à celle d'Hannibal, à côté de Cannes, et qui a entraîné la mort de près de 80% des hommes de Rome à l'époque. C'est un désastre sur le plan démographique absolument épouvantable. La compare pas à ce qui se passe actuellement en Ukraine, même si on sait qu'aujourd'hui, l'impact démographique de la guerre en Ukraine, par exemple, pour les Ukrainiens, sera probablement extrêmement lourd. Bref. Donc l'État, c'est celui qui vous mène à la guerre, c'est celui qui vous mobilise et qui organise en quelque sorte la convergence des moyens, la convergence des énergies, pour vous pousser à la guerre et qui décrète la guerre. C'est aussi celui qui désigne l'ennemi. C'est donc, d'une certaine façon, effectivement, une fonction politique fondamentale, puisque la désignation de l'ennemi, c'est, comme vous le savez certainement, l'un des éléments clés de l'action politique. Pourquoi est-ce que... je vais revenir à mon plan, sinon je vais être trop long. Vous avez tous vu, dans ces films, des films où les généraux dirigent leurs armées, hein. Vous avez déjà vu des scènes de guerre, etc. On voit des gens, des généraux qui se mettent derrière, etc. Vous remarquerez souvent que dans ces films, chez les gentils, entre guillemets, du film, le souverain, celui qui mène la bataille, est toujours au milieu de ses troupes. Il est harangue, donc il maîtrise la narration collective, c'est lui qui, en quelque sorte, définit non seulement l'ennemi, mais pose les raisons de la guerre. Il explique pourquoi il faut se battre, etc. Vous avez toujours la fameuse harangue à chaque fois, les filles passent devant les troupes, ils tapent leurs épées, bref, bing, bing, bing. Et fondamentalement, vous avez là une fonction historique de l'État, c'est celui de la maîtrise de la narration collective en vue de la mobilisation.
Hein, parce que cette narration collective, c'est celle qui permet de désigner l'ennemi, mais c'est celle qui permet aussi de désigner les buts de la guerre et qui justifie le sacrifice potentiel des gens qui vont aller s'y battre. Pour arriver à ces fins, l'État utilise des moyens de propagande assez classiques, hein, ce qu'on appelle le forçage coopératif. J'ai déjà fait des topos là-dessus dans le passé. Le forçage coopératif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une disposition naturelle des États depuis très longtemps d'organiser, en quelque sorte, d'utiliser, de forcer, en quelque sorte, des individus dans un groupe à coopérer, à risquer leur vie de façon efficace. Vous connaissez tous le modèle des phalanges de Hoplite. Donc les phalanges de Hoplite, vous aviez des hommes qui étaient alignés les uns à côté des autres, qui avaient un bouclier qui portait sur le côté gauche, qui protégeait leur flanc gauche et protégeait le flanc droit de la personne qui était à côté d'elle. Ils marchaient tous en ligne, les uns derrière les autres, au son d'une percussion qui rythmait le pas de tous, et les lignes se succédaient les unes derrière les autres et chacun protégeait l'autre. Donc dans ces phalanges de Hoplite, vous aviez là typiquement une méthode de forçage coopératif historique extrêmement efficace, parce que vous ne pouviez plus quitter le rang. C'est-à-dire que l'objectif de l'État, c'est toujours d'empêcher des décisions individuelles. C'est-à-dire de vous pousser au sacrifice au profit du groupe. C'est une fonction historique de l'État. Et lorsque, évidemment, vous étiez sur une rangée d'Hoplite, vous aviez beaucoup de mal à quitter le rang. D'abord parce que vous aviez un casque, vous vous rappelez des casques, la façon dont ils s'étaient faits, qui vous donne une vision extrêmement limitée du champ de vision, typique des champs limités que vous pouvez avoir quand vous êtes en stress, si vous vous battez un jour dans la rue, ou si vous êtes en situation de physique, vous allez avoir un effet tunnel assez classique, hein, une sorte de fixation du stress et un manque de perspective et d'ouverture sur le champ. Donc ils étaient alignés les uns à côté des autres, et les Grecs avaient très bien compris qu'on renforçait encore ces dispositions coopératives à partir du moment où on mettait en plus sur la même ligne des membres de la même famille. Hein, c'est-à-dire que vous aviez le cousin, le père, le frère, l'oncle, etc. Donc si vous quittiez le rang, non seulement vous affaiblissiez, vous trahissiez votre cité, votre pays, votre patrie, votre communauté, mais en plus vous exposiez vos proches, votre sang à la mort. Et donc, vous comprenez bien que derrière cette technique qui a été utilisée, les phalanges d'Hoplite, il y avait déjà là un modèle historique, un modèle de guerre, en quelque sorte, qui a produit donné une force considérable à l'art de la guerre dans le monde européen, au travers des siècles, mais qui a aussi un impact sur notre représentation de la communauté et de la politique d'une façon plus générale. Bref. L'État organise le forçage coopératif. C'est celui qui va qui désigne l'ennemi pour vous. C'est celui qui organise la synchronisation. Hein. La synchronisation, c'est pas simplement ce tambour qui fait marcher tout le monde au pas. Pourquoi est-ce qu'on fait marcher des soldats au pas? Réfléchissez-y. Quel intérêt? D'une certaine manière, compte tenu des guerres actuelles, pourquoi est-ce qu'on met les gens en uniforme? Pourquoi est-ce qu'on leur rase le crâne? Et pourquoi est-ce qu'on les fait marcher au pas? Vous avez la réponse, si vous prenez 15 secondes pour y réfléchir, même pas 5, vous allez trouver la réponse. Le but, c'est de faire effacer l'individu et en quelque sorte, d'atténuer l'individualité pour former, en quelque sorte, une coopération sous stress vital. C'est-à-dire un groupe dans lequel l'individualité ne compte plus et donc le sacrifice de l'individu est facilité, d'une certaine façon. L'État pousse le bouchon encore plus loin, si je puis dire, dans notre histoire, c'est qu'il assure lui-même la commémoration du sacrifice. L'État, historiquement, c'est aussi celui qui organise la coopération par des rites, par des symboles, du sacrifice qui a été consenti en vue de l'épreuve de force, en vue du conflit, en vue du stress vital. Voilà. Donc voilà à quoi sert l'État. Il sert à incarner l'unité politique du peuple, il sert à désigner les ennemis, il sert à mobiliser et synchroniser la population, il sert à faire perdurer après le conflit, parce qu'on l'a vu, une survie au conflit, il est là toujours, malgré les morts, malgré les désastres, malgré les hécatombes, il persiste, en quelque sorte, dans l'histoire, et donc se tient toujours, staré, se tient toujours dans le temps, pour être capable de continuer à faire vivre le groupe, la communauté, qui va commémorer les sacrifices qui ont été consentis. La commémoration de ces sacrifices joue un rôle fondamental dans toutes les sociétés complexes, elle sert à rappeler à chacun les dispositions de coopération sous stress vital, celles qui se sont créées dans l'affrontement, dans le conflit, sous l'effet de la violence fondatrice, en quelque sorte, qui institue l'État, mais qui institue aussi le groupe en tant que tel. Parce qu'évidemment,
ces phases de coopération sous-stras-vitale sont des phases d'épuration aussi. Vous savez, hein, je ne parle pas simplement des déserteurs, parce qu'il y en a quand même toujours, et les phalanges de Pitt, c'est un peu passé de mode depuis quelques temps, mais depuis les guerres de matériel, les guerres de masse, les guerres industrielles, où la valeur humaine ne compte plus, où un individu lâche avec un fusil Lebel peut, en mauvaise santé avec un fusil Lebel peut en abattre un autre en pleine forme et très courageux à 50 mètres. Quand vous avez compris cette logique-là, si vous voulez un jour vous pencher sur ce sujet-là, lisez Ernst Jünger, par exemple, Orage d'acier, pour essayer de revenir un peu sur, pour comprendre un petit peu le phénomène de la guerre totale, de la guerre matérielle, et des nouvelles formes d'héroïsme et des nouvelles formes de conscience qu'elle produit dans l'histoire aussi. Bref, l'État est a un rapport de coproduction avec la guerre. Il a un rapport de coproduction avec le stress vital. En clair, l'État est modifié par la guerre, l'État modifie la façon de faire la guerre. Quand je dis faire la guerre, c'est au sens large du terme. Et ce rapport de coproduction dans l'histoire, il est très intéressant à garder à l'esprit. Parce qu'on va voir précisément que nous sommes passés des guerres de première génération, guerres de deuxième génération. Les guerres de première génération, c'était des guerres d'alignement où on essayait de maximiser la puissance de feu parce que la puissance de feu dépendait des hommes qui tenaient les fusils. Puis ensuite, les guerres de deuxième génération, avec un certain nombre d'innovations technologiques, faisaient que la puissance de feu n'était pas le produit de l'homme, elle était plutôt le produit de la machine, des moyens techniques. Bref, pour vous faire l'histoire des guerres de première, deuxième, troisième et quatrième génération, les guerres de troisième génération étaient une réponse aux guerres de deuxième génération, qui étaient des guerres de ligne, des guerres de front, d'une certaine façon, où des puissances industrielles confrontaient leurs moyens et leurs capacités de mobilisation d'hommes, de ressources, de moyens industriels, etc., etc. C'était des guerres totales, et c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'on a commencé à parler d'État total, aussi. Ces guerres-là, ces guerres de deuxième génération, dont la guerre de 14-18 est là, le modèle, ont été dépassés d'une certaine façon par les guerres de troisième génération. La guerre de troisième génération, c'est une réponse par le temps à une guerre qui se joue dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? La Blitzkrieg, c'est quoi? C'est une volonté d'emporter la décision à partir du moment où vous savez que dans le conflit, vous ne disposez pas forcément, ni des ressources humaines, ni des ressources matérielles, pour être capable de tenir une guerre de front, une guerre industrielle, contre des ennemis qui ont des territoires, des ressources et des capacités de mobilisation humaine supérieures dans le temps à la vôtre. Donc vous jouez la vitesse. Hein, la Blitzkrieg, la guerre de troisième génération, c'est une réponse par le temps, la vitesse, à une guerre qui se jouait dans la puissance, par la mobilisation des moyens. Et à chaque fois qu'un État est passé d'un état de guerre à un autre, chaque fois que nous avons changé les types de guerre, nous avons aussi changé, quelque chose a changé dans l'État. C'est un peu, j'approfondis un peu ce point-là, même s'il y a beaucoup d'autres trucs sur lesquels j'aimerais revenir, mais la guerre de troisième génération n'a pas été sans conséquences dans les sociétés civiles, parce que les guerres produisent un rapport de coproduction avec l'État, mais elles influencent aussi en profondeur les sociétés. Typiquement, la plupart des techniques de management que vous connaissez, peut-être Höhm, qui est un théoricien militaire allemand, qui était assez opposé à Carl Schmitt, théorisait, lui, la formation d'unités rapides, mobiles, en petit nombre, définissant elles-mêmes ses objectifs, etc. Bref, les techniques de la guerre de la Blitzkrieg, qui ont été théorisées côté allemand pour répondre à la logique de front dont la ligne Maginot était une incarnation historique, étaient des réponses par le temps, mais ont perduré en quelque sorte dans les profondeurs de la société, malgré la défaite allemande, la défaite nazie, et ont perduré parce que précisément, elles ont trouvé des débouchés dans la guerre économique. Le toyotisme, ou honisme, c'est-à-dire les théories, les formes d'organisation des sociétés, enfin des entreprises, selon Renault, c'est ce qu'on appelle l'héronisme, le toyotisme, c'était la même logique en quelque sorte, c'était une sorte de guerre de troisième génération dans le domaine économique, c'est-à-dire des petites unités mobiles, capables de définir leurs besoins, travaillant en flux tendu,
hein, peu de stock, etc., etc. Donc là, vous avez, je vais pas m'étendre non plus, parce que ça, on pourrait y passer une heure là-dessus, c'est passionnant. Vous avez, en fait, dans les guerres de troisième génération, trouvé des prolongements dans les guerres économiques, par le hounisme, le toyotisme, ou comme par les théories de Hume sur le management et l'organisation des entreprises. Mais bon, passons là-dessus. On a vu que l'État avait plusieurs fonctions. Il avait une fonction d'incarnation, une fonction de synchronisation, une fonction de commémoration. Il a aussi une fonction de, et évidemment une fonction de mobilisation, il a aussi une fonction fondamentale de dévolution. Dévolution, se vouer à, dévolue à. Hein. La dévolution de l'État, c'est le fait que le peuple attend de l'État, puisque c'est l'unité politique du peuple, le peuple attend de l'État qu'il lui soit dévolu, c'est-à-dire qu'il pratique la politique de sa bonne conservation. En clair, la politique naturelle, c'est-à-dire l'État est censé être l'incarnation politique du peuple et dévolu au peuple, c'est-à-dire mène la politique de sa bonne conservation. Et c'est là, évidemment, à notre époque, que vous comprenez qu'il commence à y avoir des trucs qui clochent. Évidemment. Pourquoi ? Parce que la conscience du mystère de l'État, vous connaissez... alors, je reviens un petit peu en arrière, vous avez avec cette idée de l'État qui se survit à lui-même, dont je parlais tout à l'heure, vous savez, l'État profond. Vous avez tous entendu parler de la théorie des deux corps du roi, peut-être. Le roi est mort, vive le roi. Ça ne dit que ça. Ça dit que quelque chose reste, malgré la personne, malgré l'incarnation temporaire dans une personne, quelque chose se tient dans le temps. De cette conscience, de ce mystère de l'État aussi, puisque l'État ne se lie pas toujours dans ses intentions, hein, c'est lié à l'exercice du pouvoir dans une société complexe, de là où vous êtes, vous n'avez pas toujours une conscience claire des intérêts, des objectifs, des stratégies de l'État. Hein, c'est un peu l'embrouille d'Emmanuel Macron, là, en ce moment, avec son concept d'ambiguïté stratégique, qui n'est qu'un enfumage de plus, mais derrière cette ambiguïté stratégique, il y a une ambiguïté tout court. Mais pour en revenir à cette idée de mystère de l'État, d'État caché, il y a cette idée que, et que les peuples acceptent, il y a cette idée que tout n'est pas forcément lisible dans l'État et dans la politique qu'il mène et dans les objectifs qu'il a. Dans la mesure où cet État remplit toutes ses fonctions historiques, c'est-à-dire qu'il assume bien le monopole de la violence légitime, il protège bien la population, il incarne bien la communauté, l'union politique du peuple, etc., etc. Dans la mesure où l'État s'accomplit en quelque sorte de ses fonctions historiques, alors ces mystères, c'est un peu les petites cachotteries que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Alors ce mystère est toléré. C'est comme si vous aviez quelqu'un que vous connaissiez bien, imaginez un couple avec lequel vous êtes... Les personnes se sont mariées déjà depuis longtemps, on se fait confiance. Bon, pas besoin de savoir tout ce que fait l'autre, la confiance mutuelle est là, et il n'y a pas de raison d'en douter. Bah, avec l'État, les peuples sont un peu pareils. À partir du moment où l'État mène la politique de la bonne conservation du peuple, lui est dévolu, à partir du moment où il incarne l'unité politique du peuple, à partir du moment où il défend manifestement ses intérêts, à partir du moment où il satisfait à ses obligations, typiquement la contrepartie du monopole de la violence, bah c'est la protection, évidemment. Mais si la protection n'est plus là, c'est-à-dire s'il s'attribue les monopoles de la violence tout en étant incapable de vous protéger, alors vous commencez à vous dire qu'il y a un petit problème. C'est un petit peu pareil. Dans l'histoire, les peuples tolèrent le mystère de l'État, les mystères de l'État, de tas de façons différentes, et peuvent même lui trouver, d'une certaine façon, un certain charme, dans la mesure où ça renvoie aussi, ce mystère, en quelque sorte, renvoie aussi à la dimension quasiment sacrale, presque religieuse, de la fonction de l'État pour les sociétés de culture. Parce que les sociétés de culture ont des religions, et lorsque l'État est mystérieux, d'une certaine façon, mais qu'il n'y a pas à douter de sa dévolution au peuple, alors ce mystère est toléré. Là où ça commence à se gâter, c'est qu'évidemment, quand ça n'est plus le cas, lorsque l'éléphant est au milieu de la pièce, il est manifestement là, et qu'il est en plus partout, et que simultanément s'installe dans la conscience populaire l'idée que l'État n'est pas le peuple, comme le disait très bien Nietzsche, mais qu'en plus, l'État ne mène pas la politique de sa bonne conservation, l'État n'assume plus les fonctions historiques qui légitiment en quelque sorte
les pouvoirs qui lui sont attribués, les droits dont il bénéficie, etc., alors s'installe une inquiétude dans la population. Et l'aboutissement de ce processus, on le connaît. Lorsque la population s'inquiète de l'État, de sa politique, elle, c'est l'inquiétude est la première étape, puis vient au bout d'un moment aussi la défiance. Et beaucoup d'États sont tombés, en quelque sorte, ont été détruits, précisément parce qu'ils ne pouvaient plus assurer leurs fonctions, parce qu'ils n'étaient plus l'État. Si ce qui se tient en lieu et place de l'État, qui porte le nom d'État, n'est pas l'État, c'est-à-dire n'assume plus les fonctions de l'État, que ce que c'est ? Dans l'histoire, il y a des tas de mythes très connus dans le monde indo-européen qui racontent les inquiétudes des peuples lorsque des usurpateurs, en quelque sorte, tiennent les fonctions de l'État, les apparences de l'État, et on comprend tous, et le peuple comprend au plus profond de sa conscience, que ce qui se présente comme l'État n'est pas l'État. Vous connaissez ces mythes hein, de l'empereur caché dans l'empereur Frédéric caché dans le Kieffhauser, Wenceslas de Pologne, etc. On a énormément de mythes comme ça. Le mythe du souverain caché, du souverain occulté, dans le peuple, c'est la persistance de cette idée que si ce qui se présente comme l'État n'est pas l'État, alors l'État est ailleurs. Et où est-il ? Il est caché. Il est occulté, il est latent, dans l'attente de, en quelque sorte, et à ce moment-là, évidemment, le rôle du peuple est de restituer l'État, c'est-à-dire de réinstaller l'État dans les fonctions de l'État. On n'a donc pas un problème de légitimité classique, c'est-à-dire on n'est pas confronté à un État qu'il faudrait redresser, ajuster, remobiliser, réorganiser, non. S'installe profondément au sein de la conscience populaire, et c'est alors des mythes, il y en a énormément. Vous retrouvez ça dans le monde iranien avec le Mahdi, avec l'imam, le 12e imam, l'imam caché. Vous le retrouvez dans le célébacantisme, d'une certaine façon, avec cette idée du pape qui n'est pas le pape. Donc si le pape n'est pas le pape, qui est celui qui fait office de pape, et où est le vrai pape? Cette idée que le souverain se cache, l'État et son incarnation, donc le souverain, se cache aux yeux du monde, est occulté en quelque sorte par l'usurpateur, ceux qui détiennent le pouvoir, et se cache au milieu du petit peuple, au milieu de la forêt, au sens métonymique du terme, et étymologique du terme, la forêt foris, hein, l'extérieur, forêt foris, vous connaissez fuera, fora, etc. Donc la forêt, c'est pas simplement un monde physique concret avec des arbres dans lequel on peut se planquer, même si ça a souvent servi à ça, les maquisards, les moines, les résistants, les amants, bref, tous ceux qui, à un titre ou à un autre, étaient en rupture avec l'ordre en place de la cité, trouvent refuge dans la forêt. Ça fait partie aussi des mythes de notre histoire profonde, qui sont extrêmement structurants de notre inconscient collectif, ça. Eh bien, cette forêt, ce foris, cette extériorité, l'État y trouve refuge. Il trouve refuge au milieu du petit peuple et alors s'installe l'idée dans le peuple que si l'État qui incarne l'État n'est pas l'État, alors il est autre chose. Il est un anti-État. Okay. Je peux vous donner beaucoup de variantes avec anti, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans le domaine religieux comme dans le domaine politique, quelque chose s'installe, une inquiétude profonde s'installe, mais cette inquiétude... Là encore, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y a des bases psychologiques extrêmement profondes qui font que c'est aussi un mécanisme de pensée extrêmement ancien, extrêmement profond, extrêmement dur, que de concevoir que ce qui se présente comme une évidence n'en est pas une, et que ce qui se présente devant vous occulte autre chose. Et de cette idée de souverain caché que vous retrouvez dans toutes les cultures européennes, dans tout le monde indo-européen, vous avez aussi là, dans le petit peuple, l'idée d'une incarnation de l'espoir, en quelque sorte, de la résorption d'une période, d'un interrègne, d'une période d'usurpation qui doit prendre fin
et qui doit se terminer par le retour du roi, rappelez-vous, dans la guerre des étoiles. C'est, bah, je vous prends des exemples un peu à la con, mais c'est parce que tout ça, en fait, dure dans notre culture commune, dans la culture populaire, dans les films, dans les trucs, ça existe pas. Ça se manifeste de tas de façons différentes. Regardez Luke Skywalker qui va sur la planète Tatooine, je crois que c'est Tatooine, là où il y a Yoda, qui va l'enseigner dans la forêt, hein, vous rappelez-vous, c'est une forêt profonde, un matin, Dante, un matin, je me retrouvais dans une forêt perdue, dans une forêt profonde, où la voie droite était perdue. Ce mythe de la forêt, de l'extériorité dans lequel, par lequel passe le souverain, et la fonction de souveraineté, avant de revenir occuper les fonctions, et de réintroduire l'État dans ses fonctions, est un inconscient collectif extrêmement fort. On va pas faire du Jung ce soir, mais cet élément, c'est un point extrêmement important. Et politique, tout regroupement qui se fait dans la perspective de l'épreuve de force. Nous sommes des sous-politicons, nous sommes des animaux politiques. Pourquoi ? Parce que la politique, c'est précisément le résultat de la divergence des intérêts, de la divergence des perception, et c'est par la politique que nous organisons des pluribus unum de la diversité pour faire un. Pourquoi est-ce qu'il faut faire un? Pourquoi est-ce qu'il faut coopérer? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument créer des coopérations pour créer de l'unité politique? Quelque part, on pourrait s'en passer, c'est d'ailleurs ce que pensent les anarchistes, et d'une certaine façon, un petit peu aussi les libéraux. Les anarchistes, les libéraux et les marxistes considère globalement que l'État est une incongruité historique qui doit être soit éliminée, soit résorbée par le processus historique. Et je ne vais pas parler d'eux ce soir. Pourquoi est-ce qu'il faut de l'unité? Parce que dans l'histoire du monde, c'est la mobilisation, on va dire, c'est la coopération sous stress vital, c'est la coopération des individus en vue du rapport de force qui crée la force, qui crée la puissance. Et tous ceux qui n'ont pas été capables de mobiliser suffisamment efficacement, de façon suffisamment efficace, des multitudes d'individus, de familles, d'êtres humains, sont écrasés par ceux qui sont capables de le faire depuis la nuit des temps. C'est ainsi. La coopération est un principe qui est indissociable même du processus vital. Alors, je voudrais vous parler un petit peu d'écologie, parce que on sait que les synergies, de façon processus synergique, de coopération dans la nature est un élément fondamental de toutes les sociétés complexes, de toutes les coopérations chez les insectes, chez les mammifères, etc. Tous les individus, toutes les structures sociales de groupe impliquent des formes de coopération, et cette coopération produit toujours à peu près les mêmes effets. Elle produit une centralisation de la décision, elle produit la spécialisation de tâches, la complexité, c'est ça. Complexus, ce qui est tissé ensemble, et cette complexité crée de la puissance. Dans cette complexité, nous perdons de la liberté, mais nous la perdons au profit de la puissance et de la survie. Dans cette complexité, nous perdons de l'individualité et nous perdons de la compétence. Pourquoi ? Parce que si vous faites votre pain vous-même, vous n'avez pas besoin du boulanger, certes, mais si vous devez faire vos pains, vos patates, vos peintures, vos carreaux, si vous devez tout faire vous-même, vous vous apercevrez que vous ne les ferez jamais aussi bien que quelqu'un qui s'est spécialisé. Le principe de spécialisation, lui aussi, institue une puissance, une montée de compétences et une évolution, une accélération d'innovation technique dans l'histoire. C'est pour ça que les sociétés complexes sont plus fortes que les sociétés qui ne sont pas assez complexes, qui sont mal complexes ou qui sont incapables d'organiser leur unité de façon efficace, des coopérations efficaces entre leurs membres. Voilà pourquoi l'État est fondamental, parce que l'État est l'unité politique du peuple en vue du rapport de force, en vue du stress vital. Si l'État ne permet pas à la communauté, au groupe, au peuple, de s'instituer dans l'histoire, de se mobiliser et de rassembler en quelque sorte ses forces, alors, il perçoit, le peuple se sent en danger, clairement. Les guerres civiles sont des guerres qui visent à reformer l'homogénéité intérieure, la synchronisation intérieure. C'est pour ça qu'elles se déroulent toujours de la même façon, avec l'identification d'ennemis qu'il faut mettre hors du groupe, les alignements narratifs, hein, la désignation ensemble d'un même ennemi, d'une même menace, on se met d'accord sur ce qui nous menace, et la mobilisation des moyens et la coordination
l'affectation, parce qu'on parle en biologie, on parle d'affectation prioritaire d'énergie à l'intérieur d'une même cellule, c'est le même processus. C'est-à-dire que face au risque, face au stress, le groupe éprouve, et c'est pas le résultat d'une théorie politique, c'est les lois de la vie qui le veulent, éprouve profondément, intuitivement, le besoin d'un rassemblement, d'une convergence de moyens, et tout cela va provoquer des phénomènes qui sont assez connus, des phénomènes de dévouement. On produit pas le sacrifice comme ça. Vous n'obtenez pas le sacrifice comme ça. On entend souvent des droitards parler, les gens n'acceptent plus le sacrifice, etc. Mais le sacrifice, c'est le résultat d'un processus social extrêmement long, complexe. On n'obtient pas un sacrifice de cette façon-là. Pourquoi est-ce qu'il y a du sacrifice? D'abord parce qu'il y a une forme d'impersonnalisation. Et les stress vitaux ont tous cette mission, cette fonction dans l'histoire de créer un stress intérieur suffisant qui va produire un certain nombre d'effets. Alors, je les passe rapidement en revue, mais je l'ai déjà évoqué. Le premier, c'est l'augmentation de ce qu'on appelle l'allélopathie. En gros, fondamentalement, l'idée, c'est qu'on éprouve plus de souffrance pour les autres. Voilà. C'est-à-dire, on va être plus attentif à des gens, aux autres, autour de nous, et on sort un peu de son individualité pour s'intéresser aux autres. Les phénomènes de coopération, de dévouement, les uns pour les autres, sont considérablement renforcés. Ces phénomènes de coopération sur le stress vital produisent des dévouements, des capacités de sacrifice individuel pour le groupe, des extrêmement, extrêmement forts. Et c'est ce qui fait que la communauté est puissante, c'est ce qui fait qu'elle est efficace, c'est parce que précisément les individus se dévouent les uns aux autres, se sacrifient les uns pour les autres, partagent leur nourriture, se soulagent les uns les autres de leurs souffrances, de leur peine, etc., etc. Évidemment, ces phases de coopération sous stress vital provoquent aussi simultanément le besoin d'un alignement des représentations. Rappelez-vous ces casques spartiates, hein, avec une vue, enfin ces casques d'hoplites avec une vue bien dirigée. Le groupe, pour pouvoir se rassembler, a besoin de se désigner lui-même un adversaire ou une menace, ou de s'entendre sur la nature de cette menace. Et évidemment, le rôle historique de l'État, c'est de contribuer effectivement à nommer cette menace, à la délimiter et à l'instituer comme ennemi. Acte politique par définition. Et donc cette menace sur laquelle on se met d'accord va produire aussi simultanément l'apparition de stresseurs. Les stresseurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont les gens qui n'acceptent pas de dire que c'est cette menace-là, qui ne se mettent pas d'accord avec le reste du groupe pour dire que le problème vient de là. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, à l'intérieur, dans le groupe, ne s'alignent pas, en quelque sorte, ne se synchronisent pas avec les restes du groupe. En clair, il faut entendre une voix dissonante. Évidemment, ces stresseurs-là s'exposent à l'épuration. Ils s'exposent à la mort, au rejet, etc. Ils s'exposent à être rejetés à l'extérieur du groupe. Je lisais un bouquin sur les Gaulois, là, il n'y a pas très longtemps, un type qui est assez passionnant, qui expliquait que la pire peine chez les Gaulois, c'était pas les trucs qu'on lui coupe le bras ou qu'on leur coupe la tête, non, la pire peine, c'était d'être banni du groupe. Voilà. Et donc, chez les êtres humains, depuis longtemps, parce que ces dispositions de coopération se sont inscrites dans notre patrimoine génétique, hein, vous connaissez l'évolution, hein, le principe de la sélection naturelle, ça dit quoi? Ça dit que la vie apprend par la mort. En clair, ceux qui ne produisent pas, qui ne sont pas capables de s'adapter à des contraintes, à des menaces, à des enjeux, etc., ne peuvent pas se reproduire, transmettre leurs gènes, et donc, voilà. Donc, ces dispositions de coopération sont inscrites dans notre patrimoine génétique depuis très longtemps. Ce ne sont pas simplement le résultat d'une morale, d'un bouquin qu'on a lu, tiens, ça serait bien si on était tous ensemble pour faire quelque chose, etc. Pas du tout. C'est quelque chose qui vient de très très loin, qui remonte à très très loin, qui s'inscrit même dans la nature, dans d'autres sociétés. Et l'État est le moyen de cela. Évidemment, pour arriver à cette synchronisation optimale, il est parfois tenté d'abuser un petit peu de la situation. Vous connaissez tous les efforts de propagande que sont capables de déployer les États dans l'histoire. Comment persuader un paysan du fin fond du Finistère d'aller crever dans la boue dans les Ardennes?
il faut en mettre un paquet, hein. Alors certes, vous me direz, il n'a pas le choix. Bon, c'est un premier paramètre. Mais si on veut se contenter, si on veut avoir un degré d'engagement suffisant qui ne se limite pas à « j'y vais parce que j'ai pas le choix », mais qu'on veut avoir des troupes mobilisées qui partent la fleur au fusil, en dehors de la testostérone, des montées de testostérone, évidemment, on mobilise toujours des jeunes hommes qui ont qui sont dans un rapport à la violence qui est toujours un petit peu particulier du fait de la production de testostérone, on mobilise aussi, on raconte le conflit et on raconte l'ennemi. Et on va prêter des caractéristiques à l'ennemi qui sont souvent assez peu raisonnables. Le stresseur ou l'ennemi doit toujours être un petit peu caricaturé. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, des journaux, pendant des semaines et des semaines, ont titré, ont fait des dessins sur des enfants poupées, dont on coupait les mains. Et donc, en France, partout, on disait que les soldats allemands coupaient les mains des petits-enfants au fur et à mesure de leur avancée, en quelque sorte. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de crime de guerre, etc., mais il fallait en mettre beaucoup pour persuader le paysan breton d'aller crever dans la boue des Ardennes. Et donc, dans l'histoire, les États ont aussi cette fonction. Alors, je prends un exemple évidemment illégitime, mais il y a aussi des récits de désignation de l'ennemi et de mobilisation, de propagande, qui sont légitimes d'une certaine façon. Non pas parce qu'elles se rapprochent plus de la réalité, mais parce qu'elles sont parfois moins teintées d'hystérie, un peu plus réalistes, et peut-être aussi parce que... bref. Donc, l'État est là aussi pour organiser cette synchronisation efficace en vue du rapport de force, et donc provoquer, en quelque sorte, nommer l'ennemi, le définir, lui attribuer des caractéristiques, souvent de façon relativement paranoïaque. La représentation paranoïde de l'adversaire fait partie des processus de mobilisation sous stress vital indispensable. Et alors, donc, vous voyez bien que dans ces moments-là, dans ces stress-là, il y a des bonnes choses, on se dévoue pour les autres, on se secourt les uns les autres, on cède, on souffre plus pour son voisin, etc., etc., l'entraide augmente, et simultanément, les phénomènes de décantation, les phénomènes d'exclusion, les phénomènes d'épuration se renforcent. Einar Mollmann, qui est un cybernéticien et un sociologue et anthropologue allemand, explique que les communautés de culture dans l'histoire, et donc les États, sont le produit de ces stress vitaux historiques. Il nous dit, l'ensemble des coopérations sous stress vital qui s'instituent dans l'histoire fabriquent les États, ont un rapport de production avec l'État, et simultanément fabriquent l'histoire, créent des institutions, créent des rites, créent de la culture. Vous avez tous vu les monuments aux morts qu'il y a sur les places de nos villages avec les noms des hommes qui sont morts pendant la guerre de 14-18. Cette fonction de commémoration du groupe, de la collectivité vis-à-vis de ceux qui se sont sacrifiés pour le groupe, permet, après le stress vital, une fois que le relâchement s'est institué, que le baby-boom commence, parce que c'est les phases de détente qui suivent toujours les phases de stress maximal, vous connaissez ça, on a réalisé ça quand on a étudié le stress des mammifères en conflit les uns avec les autres, on a toujours les mêmes phénomènes, hein, avec la production de noradrénaline, etc., etc., et toujours après, la phase de relâchement qui suit. Bref, lorsque la veille retombe, d'une certaine façon, que le stress retombe, que la menace n'est plus là, alors l'État a besoin de faire perdurer les belles dispositions coopératives qui sont nées pendant la guerre, pendant le conflit, sous stress vital. La fonction de l'État, c'est donc d'organiser, de restituer l'unité politique du peuple. Cette unité politique du peuple, c'est un slogan archétypal que vous avez peut-être déjà entendu, « El pueblo unido jamás será vencido ». C'est un slogan des mouvements décoloniaux d'Amérique du Sud, nationalistes décoloniaux. Je vous rappelle que pour régler la question des souveraineté versus identitaire, tous les mouvements décoloniaux, c'est-à-dire tous les mouvements souverainistes et nationalistes d'Amérique du Sud étaient tous aussi des mouvements indigénistes. Chez eux, c'était très clair. Ces mouvements étaient indigénistes et souverainistes. Bref, passons. Donc anti-impérialistes, par définition. Donc, ce slogan « El pueblo unido jamás será vencido » nous dit quoi ? Le peuple uni ne sera jamais vaincu.
C'est une affirmation presque que l'on pourrait mettre au fronton, je dirais, de toutes les institutions politiques du monde, de tous les États du monde, d'une certaine façon. Elle postule non seulement la nécessité de l'État, sa fonction historique, et l'attente inconsciente que les peuples en ont. Je vais terminer en ouvrant un petit peu le champ, de façon un peu plus théorique peut-être, et vous parler des deux grosses équipes qui se partagent le ballon en matière de théorie de l'État aujourd'hui dans le champ politique. Vous avez en gros, alors on met de côté, ceux pour qui l'État est une incongruité de l'histoire, en clair les marxistes, pour qui l'État doit être résorbé par le processus historique, les anarchistes qui considèrent que l'État est une structure d'oppression par définition, une religion en quelque sorte, hein, pour prendre les termes de Bakounine, et la religion par principe, et donc l'irrationalité et l'oppression par principe, ou les libéraux. Lorsque l'État n'assume plus ses fonctions historiques, lorsqu'il n'est plus capable de faire face, de remplir sa mission, et donc que l'État n'est plus l'État, il y a bien sûr ces réactions de gens qui se disent « si l'État n'est pas là, c'est peut-être qu'il est ailleurs, et que peut-être que si se tient là, il est peut-être autre chose que l'État ». Commence quelque chose d'assez intéressant, mais il y a aussi des gens qui considèrent, qui en reviennent en quelque sorte à l'idée que l'État lui-même est un problème. L'État en tant qu'institution est un problème. Et donc vous avez chez les anarchistes typiquement, ou chez les libéraux globalement, la même disposition d'esprit à l'égard de l'État. Chez les libéraux, c'est l'anarchiste du riche en quelque sorte, puisque je décide pas avec qui mes impôts vont être distribués, puisque je peux pas décider si machin, etc., puisqu'il y a une légitimité d'une certaine façon, alors je considère que seuls mes efforts individuels pour survivre et pour faire survivre mes amis et ma famille comptent, et l'État est une institution qui n'a rien à m'apporter, elle mérite donc que je ne lui attribue pas mes ressources, que je ne lui paye pas mes impôts, que etc., etc. Bref, chez les anarchistes, c'est un autre process, etc. Mais il y a des gens qui acceptent l'idée de l'État. Et chez ces gens-là, enfin des gens, il y a des écoles, pour faire simple, qui acceptent cette idée de l'État. On va dire qu'il y a deux grandes écoles. Il y a ce que j'appelle les réalistes décisionnistes, et il y a les ingénieristes progressistes. Pour les ingénieristes progressistes, on va dire Karl Popper, ou en gros, la continuité des théories de Karl Popper, vous avez cette idée que l'État est naturel d'une certaine façon, est une fatalité d'une certaine façon, du fait de la politique et du fait de la complexité sociale. Il est le processus par lequel la complexité sociale va à son terme dans le champ du politique. En clair, c'est parce que il faut qu'il y ait des gens très compétents qui s'occupent des affaires du collectif qu'il faut un État. Et donc l'État n'est que le résultat du processus de spécialisation sociale, en même temps qu'il est censé assurer le vivre tous ensemble, hein, aujourd'hui le vivre tous ensemble sans nous, hein, mais le vivre tous ensemble, du collectif, du peuple, et donc il est ingénieriste précisément, parce que, comme l'a bien théorisé Karl Popper, il y a toujours cette idée que l'État ingénieur doit organiser la coopération efficace, la cohabitation, le vivre ensemble, hein, le vivre ensemble de des populations qui se tiennent à l'intérieur de lui. Mais on a vu que pour cela, il n'hésitait pas à s'attaquer aux institutions anthropologiques, qui peuvent être la famille, le mariage, etc., etc., l'éducation des enfants, et qu'il n'hésitait pas non plus à intervenir sur le peuple lui-même. C'est-à-dire, il accepte par principe l'idée que le vivre tous ensemble, en quelque sorte, la légitimité de sa mission n'est pas la légitimité de l'expression politique d'un peuple en tant que collectivité de culture historique. Un peuple, c'est ça, collectivité de culture historique, pour faire simple. L'État n'est pas l'État d'un peuple au sens d'unité politique d'une coopération historique et culturelle. Il est simplement l'administration. Ce sont les administrateurs et les ingénieurs, en quelque sorte, de ce qui se déploie, de ce qui existe comme population à un instant T à l'intérieur des frontières sur lesquelles il a autorité. Donc chez ces progressistes ingénieristes, l'État, c'est ça.
Et chez les décisionnistes, l'État est le résultat du rapport de force, il n'est pas le produit de la morale, et l'État est l'expression de l'unité du peuple, pour ça que je suis plutôt décisionniste, en vue du rapport de force. Les deux s'accusent mutuellement d'alimenter, et je vais terminer avec ça, les deux s'accusent mutuellement en quelque sorte d'avoir enfanté l'État total dans l'histoire. Chez les décisionnistes réalistes, pourquoi je dis réaliste? Parce que chez les décisionnistes, il y a cette idée que les progressistes échouent et donc aboutissent à l'État total, à l'État totalitaire même, parce que précisément leur vision de l'homme est défectueuse. Le software progressiste et libéral n'est pas adapté au hardware anthropologique. Et donc, il faut, chez ces progressistes, puisque leur vision de l'homme n'inclut pas le rapport de force, le politique, le stress vital, etc., et que leur vision de l'État est celle d'une unité de gestion et d'une unité d'ingénierie sociale générale, alors ils s'attaquent, ils détruisent, ils ne reconnaissent pas en quelque sorte le caractère historique et culturel de la communauté de culture et son homogénéité intrinsèque, celle qui résulte de la culture commune, de l'histoire commune, etc., etc. Et parce qu'ils ne reconnaissent pas le caractère culturel du peuple, alors ils interviennent à tous les niveaux, en quelque sorte, dans l'éducation, dans la nourriture, dans les achats, dans la circulation, à tous les niveaux, pour, en quelque sorte, rafistoler ce que leur ingénierie sociale, vivre ensembliste, détricote, détruit, déconstruit à longueur de temps. Chez les réalistes décisionnistes, il y a cette idée que l'État n'est pas le résultat, ne doit pas être un ingénieur, c'est un convoyeur, il a un impératif d'incarnation, il veut et il doit incarner l'unité politique du peuple en vue du rapport de force historique, en vue du stress vital, et l'État n'a pas, de ce fait-là, vocation à s'instituer, à remplacer, puisqu'il est l'expression de la communauté de culture, n'a pas vocation à remplacer les mécanismes de coopération naturelle de la communauté de culture par des mécanismes artificiels, politiques, d'ingénieurs sociaux. Et voilà. Je vais m'en tenir là, et puis je vais écouter vos questions, si vous en avez. Question que je vois là où on en est. Laurent. Oui, deux petites remarques sur la question des marxistes. C'est très compliqué, vous le savez, je ne vais rien vous apprendre, mais les marxistes, c'est vrai qu'ils disent qu'à terme, l'État devra disparaître, et en cela, ils rejoignent les anarchistes, mais en même temps, ils ont une énorme ambiguïté, parce qu'ils disent qu'il y aura toujours une période intermédiaire où on va avoir l'État, et ils n'ont jamais réussi à s'en extraire. L'an prochain, Jérusalem. Oui, complètement. Avec les marxistes, c'est très ambigu. C'est qu'à moitié une boutade. Et on sait qu'ils ont créé des États, ô combien puissants. Mais deuxièmement, j'avais lu une fois dans un canard que j'avais trouvé cette expression splendide que l'armée est une accoucheuse d'État. Ça portait aussi sur le fait que par-delà ce stress ultime que vous évoquez, l'armée aussi, elle agit dans cette direction-là, y compris en temps de paix. Alors, Et ça, et là, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'elle agit en temps de paix sur un point précis. Alors, c'est plus cette fois-ci la cohésion, etc., etc. C'est la création de cette autre facette de l'État, qui est la bureaucratie. Cette énorme bureaucratie, cet énorme appareil administratif qu'est un État. Et c'est l'armée, là, encore une fois, qui joue, on le voit dans l'histoire de France, hein, c'est l'armée qui a créé l'État administratif, fiscal, etc., etc. alors, ça me donne ce que votre observation me donne l'occasion de revenir sur ce rapport de coproduction entre l'État et la guerre. Je vous ai parlé des guerres de deuxième génération, vous savez, ces guerres de front, hein, ces guerres de moyens, ces guerres industrielles, dépassées un temps par les guerres de troisième génération, les guerres de mouvement, blitzkrieg, hein, donc on oppose des déploiements rapides d'unités mobiles
pour contourner l'adversaire, briser le front, etc., etc. Donc, quand on sait que dans le temps, on n'aura peut-être pas les moyens d'affronter une guerre industrielle de long terme. Et puis, on a commencé à partir de 1945 à parler des guerres de quatrième génération. La particularité de ces guerres de quatrième génération, c'est c'est ce qu'on appelle des guerres asymétriques. Hein, elles ne se déploient pas sur des lignes de front. Elles ne sont pas des réponses par la rapidité, etc., mais elles se déploient à l'intérieur même des sociétés, à l'intérieur du peuple, précisément. Et depuis 1945, même s'il y a eu bien sûr des guerres de partisans, typiquement, ou même le retour des guerres de deuxième génération, comme ce qu'on observe en Ukraine actuellement, entre la Russie et l'Ukraine, qui est typiquement une guerre de deuxième génération, on va dire que l'Occident, au XYDANT, s'est spécialisé dans la guerre de quatrième génération. D'une façon générale, la puissance américaine dans le monde a, en quelque sorte, spécialisé l'essentiel de ses moyens. Elle a été capable de mener des guerres rapides, mais sur des États qui avaient une puissance de feu, des troupes infiniment inférieures à la sienne. On parle de la guerre en Irak, par exemple. Mais l'essentiel de la guerre menée par les États-Unis, par exemple, dans le monde, sont des guerres de quatrième génération. Ce sont des guerres de déstabilisation qui portent dans les profondeurs, qui utilisent des équipes spécialisées, qui utilisent des ingénieurs, qui utilisent des publicitaires, qui utilisent des compagnies de cinéma, etc. Les guerres de quatrième génération ont succédé à ces guerres de troisième génération, et de ce point de vue-là, l'absence de ligne de front a changé aussi la conscience et la nature de nos États. Comme on le dit, hein, rapport de coproduction entre les deux. Pourquoi? Parce que précisément, nos États se sont déshabitués des guerres de deuxième génération et des troisième génération, pour le coup. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui se passe en Ukraine. La réponse russe, c'est face à une défaite sur le terrain de la guerre de quatrième génération, sur le terrain de la guerre d'influence en Ukraine, la Russie a répondu par une guerre de deuxième génération, à laquelle l'Occident n'était pas du tout préparé, spécialisé comme il l'était depuis des décennies dans les guerres de quatrième génération. Ces guerres de quatrième génération impliquent une multitude de fonctions, de tâches, de sociétés, etc. Les sociétés Potel Bell, par exemple, société anglaise, qui fabriquait les vidéos de l'État islamique du Levant pendant la guerre en Irak, dans le sud de la, enfin après la guerre en Irak, etc. La communication de l'Ukraine, de l'État de Kiev actuel, a été prise en main par des sociétés spécialisées, etc. Et donc, nos sociétés sont devenues, d'une certaine façon, des sociétés, des États capables de mener des guerres de quatrième génération dans les États étrangers, mais aussi à l'intérieur de leurs propres frontières. Nos États mènent des guerres de quatrième génération en Ukraine, à l'extérieur, mais mènent aussi des guerres de quatrième génération à l'intérieur, qui sont toujours des guerres d'influence, et qui vont bien au-delà des dispositifs de propagande classiques, celles qu'on connaissait déjà avant, celles qui servent à, j'irais, créer la mobilisation sous stress et la désignation commune de l'ennemi. Je ferme. Est-ce que vous avez des questions? Merci. À un précédent conférencier, vous avez dit qu'il y avait une vision économique que vous n'avez que partiellement, parce que lui, il était très axé économique, avait fait une remarque intéressante en disant que dans une société, il y a des producteurs et il y a des prédateurs. Et donc, l'idée, c'est de multiplier les producteurs et de n'avoir qu'un seul prédateur qui serait l'État. Parce que si on a plusieurs prédateurs, par exemple l'État, des mafias, des zones de non-droit, des choses comme ça, c'est ingérable. Et donc j'ai trouvé que cette vision était intéressante, qui n'est pas du tout la vôtre. Je ne sais pas. C'est pas ce que j'observe surtout. Non. Ce que j'observe, c'est une multitude de prédateurs. Idéalement, d'en avoir qu'un prédateur, c'était ça. L'État, c'était d'avoir qu'un prédateur qui éliminait les autres prédateurs. D'accord. Je le note. Ouais. Je le note. Merci. Oui. Pour la réaction sous stress vital, vous focalisez beaucoup, j'avais l'impression de quasi exclusivement sur la guerre. J'entendais récemment Jean-Marc Jancovici qui disait que pour faire décroître la population, il y avait beaucoup plus efficace que la guerre, la famine et les maladies, les épidémies. Et donc, je voulais savoir, voilà, si vous intégrez aussi
famine et épidémie dans votre réflexion sur la manière dont l'État peut émerger ou se légitimer ou se renforcer. Parce que là, comment dire, l'ennemi n'est pas un adversaire visible avec un uniforme. Si je pense à peut-être deux exemples dans le contexte français, l'épidémie de peste à Marseille sous Louis XV, avec comment est-ce qu'on s'organise dans un cadre où il y a énormément de gens qui meurent pour limiter l'impact et survivre, donc starver, ou la Révolution française qui est un des exemples de mauvaise utilisation du grain, de mauvaise récolte qui induit une famine et donc derrière une mauvaise impose de l'État. Alors c'est une très bonne observation. Alors si j'ai beaucoup insisté sur la guerre, c'est parce que je parlais d'État précisément, mais évidemment les stress vitaux dans notre histoire ne sont pas tous des stress de guerre directement. Typiquement les risques épidémiques font partie des stress vitaux. Et vous voyez d'ailleurs se déployer sous stress épidémique des mécanismes qui sont tout à fait analogues. Ajustement narratif, solidarité, désignation de personnes à exclure du groupe. Les dispositions dont je vous parlais, vous savez, avec ces lignes de plit, où on mettait toujours systématiquement l'oncle, le père, le fils, les uns à côté des autres et les cousins. C'est les campagnes de l'État quand ils vous disent « fais-toi vacciner, même si pour toi ça sert à rien, c'est bon pour ta grand-mère ». C'est la même logique. Hein, c'est toujours le même dispositif. Ce sont des dispositions en fait de forçage coopératif qui se déploient quasiment dans tous les domaines et dont l'État est souvent effectivement le metteur en scène. Mais vous avez raison. Il y avait un autre point qui m'intéressait dans votre truc, mais ça me revient pas. Donc, si ça me revient, je reprendrai le fil. Oui. Merci. Je voulais vous demander, j'imagine que vous avez vu, comme tout le monde, la déclaration de Macron qui n'excluait pas d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Et moi, je me demandais, puisque vous disiez que, notamment, le devoir de l'État, surtout en période de guerre, c'était de mobiliser, synchroniser et de créer la cohésion du groupe, et éventuellement, s'il avait un peu de mal, de les forcer, aller au front. Donc, est-ce que vous pensez que cette déclaration, c'était simplement une bravade pour occuper le terrain médiatique et faire oublier tout le reste? Ou est-ce que vous pensez que derrière, c'est un peu une ouverture de la fenêtre d'Overton et que petit à petit, dans les années à venir, il y aura ce processus de mobilisation, de synchronisation, de cohésion du groupe? Et qui, à partir du moment où on aura envoyé l'armée française et que ce sera fait éventuellement décimé, on enverra le reste. On va vous faire une réponse à deux têtes. Pierre-Yves, tu as un avis là-dessus, je pense, non? Connaissant un peu Macron, premièrement, il n'est pas, vu que tout ce que nous savons de ses déclarations, c'est que toutes les réunions précédentes, il n'en a pas parlé. Donc malheureusement, le côté désaxé du personnage, disons ça comme ça, n'est pas totalement à exclure, parce que je rappelle que cette déclaration stupide, en suit une autre qui n'en est pas moins, qui est l'élargissement du parapluie atomique, ce qui veut dire que pour Moscou, Paris devient, dans le scénario de l'élargissement, la cible numéro un à détruire. Bon, l'hiver nucléaire étant quand même une virtualité peu enviable, convenons-en. Hein, quand j'ai commencé ce métier il y a 20 ans, tous les spécialistes étaient d'accord sur une chose, la guerre nucléaire, ça fait mal. Aujourd'hui, on doit l'expliquer à une partie de la profession. Bon, peu importe. Et une partie des gens. Donc, on voit des gens qui sont capables de... N'oublions pas, comme disent les pédagogistes, le niveau monte. Donc, point 1. Point 2, je pense que pour Macron, on n'est même pas dans la stratégie, parce que déjà, il a rétro-pédalé dans les 30 minutes qui ont suivi, ce qui est à peu près sa moyenne. Je pense que on n'est déjà pas face à une mobilisation étatique classique, parce que déjà, l'État, dans la pensée des youpies de la génération des coins, ça n'existe pas. D'accord? Et tous les processus de philosophie politique classique sont totalement indifférents chez ces mecs-là. Ça, si vous voulez, ne leur prêtez pas de pensée politique, ils n'en ont pas. Parce que pour eux, la politique est une catégorie du passé. Un. Deux, je pense sincèrement qu'il a envoyé en fait un double message tactique politique, un, aux autres Européens, qui était de dire au fait « je suis là parce qu'il a un besoin maladif de la ramener »,
un message de sidération parce qu'il est entouré de gens qui lui disent que l'opinion n'a le sens que le dominant lui donne et il suffit de sidérer les Français par la peur pour pouvoir leur imprimer un message. Et le dernier point, il a envoyé un message, je pense, à une partie des siens disant il faut qu'on prenne date parce que il se pourrait que la seule date importante de 2024, c'est-à-dire les élections américaines de novembre, se passe mal pour les nôtres, c'est-à-dire se passe mal pour le bloc atlantiste. Et si c'est le cas, au fait, vous m'avez rien demandé, mais je suis là. Je pense avant tout que c'est à remettre dans ce cadre-là, beaucoup plus que dans un bellicisme dont il n'a pas les moyens, et même si les travers du personnage est peut-être partiellement encouragé par des prises de vitamines à intervalles trop réguliers, je ne suis pas certain qu'il ait vraiment l'envie d'un bellicisme dont en fait il n'a pas les moyens. Alors oui, l'effet annonce de guerre a toujours un effet sidérant sur les populations et donc développe un réflexe légitimiste. Je dirais c'est archaïque là encore, hein. Vous pouvez toujours essayer d'expliquer aux gens que machin, vous l'avez vu pendant la phase Covid, le phénomène d'alignement, je dirais, etc. se fait instantanément, hein, comme les mêmes molécules d'eau qui s'alignent dans un verre, hein, quand le verre se refroidit. Je prends une analogie avec la deuxième loi de la thermodynamique, là, mais quand vous avez des alignements moléculaires, c'est exactement de la même façon, hein. Il y a une continuité, donc ces alignements, en quelque sorte, font partie du dispositif. Il est clair que les messages de stress envoyés à la population, et c'est pas le premier, ont toujours cet effet de sidération. Est-ce qu'il le fait pour ça consciemment? Pierre-Yves pense que non. Moi, je sais qu'Emmanuel Macron est un lecteur de Moulman et de Sloterdijk. Il l'a dit, et je sais que c'est le cas. Je sais parce que j'avais une revue d'écologie il y a quelques années. Parmi mes abonnés, j'avais un certain Lemoine, qui est un ministre, qui a été ministre de Macron, qui a été signé le pacte de Marrakech, d'ailleurs, etc. Et j'ai eu l'occasion d'échanger, et je suis certain qu'il sait très bien quel rôle jouent ces coopérations sous stress vital, ces mécanismes cybernétiques qui se mettent en place sous stress, et que c'est un moyen pour lui, parce que c'est un sociopathe, c'est un moyen pour lui d'instituer la terreur, d'une certaine façon, de sidérer, de remobiliser, d'aligner, c'est un besoin plus ou moins conscient, plus ou moins adroitement réalisé, dans un contexte où là, il est en permanence, je pense, attristé, affecté profondément de son impopularité et de l'impression désagréable qu'il renvoie dans la population. Je pense que ça le touche beaucoup. Donc, j'aurais presque une lecture presque psychanalytique du bonhomme. Je pense que ce type est un détraqué. Je pense que c'est un sociopathe. Je pense qu'il a besoin de récompenses chimiques qu'il lui obtient de tas de façons différentes. Mais sa production de noradrénaline, il l'a en faisant stresser, en faisant souffrir, en créant du stress dans la population parce qu'il veut être aimé. Rappelez-vous de ce discours en 2017. Parce que je vous aime. Je vous ai fait souffrir parce que c'était extrêmement clair. Ramayad à l'époque, et je suis pas parti du fan club de Ramayad, je vous l'annonce ce soir, Ramayad disait que parmi toutes les dispositions, il fallait avoir des signatures, etc. pour se présenter à la présidentielle, un bilan psychologique ne serait pas totalement inutile. Parlant d'Emmanuel Macron. Et donc, je pense qu'on a affaire à un type qui est à la limite du pathologique, parfois franchement dans le pathologique, que son rapport, la désaffection, et la mauvaise image, le fait de ne pas être reconnu à sa juste valeur par le peuple, le fait souffrir, et qu'il fait souffrir en retour, en même temps qu'il connaît les dispositions de stress et les implications des dispositions de stress qu'il lâche dans la population. Voilà, c'est un autre aperçu. C'est pas forcément contradictoire avec ce que disait Pierre-Yves, mais je dirais que ça fait partie du tableau aussi. Fin de la truc. Sujet suivant. Attends. On a un camarade qui est bien planqué dans un coin. Ah oui. Bah, en effet. On les trouve dans les coins sombres et humides. Je vous écoute. C'est fort, on n'entend rien. Vous avez parlé de deux catégories de pensée d'État. Ingénieuriste. Progressiste ingénieriste et réaliste décisionniste. Oui. Pour faire avec des istes. Je reviens sur la définition parce que j'ai l'impression que les deux convergent dans la mesure où ils doivent préparer les populations à un stress préventif,
qui implique un changement de la population, par exemple l'éducation sous la Troisième République. J'ai l'impression que c'était un plan générique, ça veut dire on remodelait un peu le modèle français. Est-ce qu'on peut dire pour autant que c'était négatif, que ça a peut-être pu préparer le français à des échéances à échelle mondiale? Alors, merci pour la question. Alors, je distingue, si vous voulez, les regards sur l'État, ou la doctrine sur l'État, ou les visions de l'État, que j'ai essayé de, maladroitement, on va dire, de regrouper sous deux entités, deux écoles un peu opposées, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sous la coupe des ingénieristes progressistes. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est indiscutable. Et face aux ingénieristes progressistes, donc Karl Popper, on a les autres, dont le théoricien phare est plutôt Carl Schmitt. Bon, en France, on a d'autres théoriciens de l'État, mais on va dire que l'opposition fondamentale, elle se fait là. Maintenant, l'État lui-même, dans ses fonctions, a toujours été, d'une certaine façon, alors c'est peut-être abusif de le préciser comme ça, un ingénieur, particulièrement l'État français. L'État français, c'est pour ça que c'est un modèle qui a gêné beaucoup. Pendant longtemps, il y a eu cette fameuse opposition entre la culture politique allemande et française, avec le mouvement romantique, etc., entre civilisation et culture, entre la, on va dire, la communauté politique de culture et la civilisation française, etc. À l'intérieur, dans cette opposition, se jouait deux définitions de l'État. Un État qui était l'incarnation politique d'une communauté ethno-culturelle, et de l'autre, une communauté donc de culture, hein, une communauté ethno-culturelle, et de l'autre, un État qui était le résultat, je dirais, d'un processus historique, en France, on va pas revenir dessus, plus complexe, qui se réalisait depuis la Révolution française, et qui se déployait depuis la Révolution française, sous le drapeau de la civilisation, entre guillemets, civilisation des Lumières, plus exactement. La civilisation des Lumières, les deux principes de la civilisation des Lumières, c'est sapere aude, donc use de ton entendement, et le deuxième, c'est rien de ce qui est humain ne m'est étranger. On oublie souvent que rien de ce qui est humain ne m'est étranger, c'est une citation d'un certain Terence, qui était un comique romain, hein, d'origine berbère d'ailleurs. Un comique romain d'origine berbère, bref, ça vous dit peut-être ce qu'il faut penser de cette affirmation, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. En tout cas, les Lumières, se projettent politiquement à partir de ces deux énoncés. Celui d'une mission concerne l'ensemble du genre humain, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, et simultanément, je suis obligé d'être extrêmement synthétique et donc lapidaire sur le sujet, hein, je suis désolé, mais et simultanément, en même temps, cette idée que c'est par la raison, l'entendement, la communauté humaine s'institue dans l'histoire, progresse, etc., etc. Ça, c'était le modèle français qui s'opposait au modèle allemand. De fait, la nation française a été quelque chose qui a réussi à conjuguer les deux. Elle a réussi à conjuguer la philosophie politique des Lumières, donc principe de civilisation, avec des cultures existantes, réellement existantes, même si elle a été tentée à de maintes reprises de s'attaquer à ces cultures dont elle était constituante. Et typiquement, les campagnes dans les écoles pour dire il est interdit de parler breton ou parler alsacien et de cracher par terre, la guerre contre les Basques, contre les Alsaciens, contre les Bretons, etc., la mise au pas des cultures entre guillemets régionales était en quelque sorte un excès. On pourrait en rentrer là aussi dans les détails, mais était une des conséquences malheureuses, en quelque sorte, de cette façon d'aborder le problème politique et le problème humain uniquement du point de vue de la rationalité et du point de vue humaniste, au sens mono-humaniste. Là encore, je suis obligé de faire des raccourcis épouvantables. Mais bon, bref, vous voyez où je veux en venir. La France a réussi, avec le temps, et peut-être dans l'état par De Gaulle, d'une certaine façon, à réconcilier, à stabiliser pendant une période extrêmement courte, même s'il y avait déjà eu des choses bien avant, hein, c'est pas De Gaulle n'a pas tout inventé, c'est là, il a, quelque sorte, il a réincarné quelque chose, un équilibre entre ce principe de raison, donc issu des Lumières, les Lumières qui en gros sont, c'est un, pour faire simple, c'est un,
C'est une philosophie politique qui prétend substituer à l'apprentissage par la culture, l'apprentissage par la raison, pour faire simple. Voilà. Et donc, si on veut voir les choses comme ça, la nation française sous De Gaulle réussit à un moment à stabiliser un équilibre intéressant entre le maintien des cultures, on arrête de faire la guerre aux cultures, on arrête de tuer les cultures à l'intérieur, on respecte l'existence culturelle des peuples qui constituent la nation France. Vous vous rappelez tous pourquoi De Gaulle est parti, hein, fameux référendum sur la régionalisation. Et simultanément, cette philosophie des Lumières, c'est-à-dire ce principe de politique de la philosophie des Lumières, qui permettait, qui était le résultat de la volonté de créer des coopérations étendues. Dans l'histoire, il y a deux modèles économiques de coopération existants dans l'histoire, si j'essaie d'être très synthétique là encore, et donc épouvantablement simpliste. Il y a la communauté, il y a la coopération par la culture commune, les coopérations ethno-culturelles, on partage des valeurs, une religion, une culture commune. Cette culture est le résultat de la sédimentation des siècles et de, je dirais, des expériences vécues par le groupe. Et les coopérations étendues, qui sont des coopérations qui s'instituent par-delà les cultures, par-dessus les cultures, la monnaie, qui permet des interactions économiques avec des gens avec lesquels vous n'avez pas forcément d'interactions culturelles, est typiquement une façon de favoriser les coopérations étendues. Bref, j'ai été un peu trop loin, mais voilà. Le modèle français est fondamentalement un exemple, précisément parce que sous De Gaulle, il a réussi à stabiliser... On a arrêté de faire la guerre aux cultures dont on était, dont nous étions tous le produit, dont nous émergions d'une certaine façon, et en même temps, l'État respectueux, en quelque sorte, de ces cultures intérieures, et du bon sens, et de la morale commune de ces cultures intérieures, était en même temps un État qui était capable de penser en termes de civilisation, et d'une certaine façon, de mettre en œuvre aussi un certain nombre de principes de la philosophie des Lumières. Aujourd'hui, politiquement, dans le monde, il y a un État qui a quasiment inscrit dans le marbre les mêmes principes et qui l'a réaffirmé dans un discours extrêmement récent, c'est Vladimir Poutine en Russie. Pour moi, c'est le même équilibre. C'est-à-dire, cette volonté, et Dieu sait que la Russie a souffert de la révolution bolchevique, et cet État lui aussi, qui n'était pas un État russe, comme vous le savez, hein, si vous faites la liste des gens qui dirigeaient l'État russe à l'époque, vous trouverez assez peu de Russes, enfin l'État soviétique à l'époque, vous trouverez très peu de Russes. Vous trouverez des Lettons, des Juifs, des Basques, des Ukrainiens, des Géorgiens, tout ce que vous voulez, les Russes sont très minoritaires dans cette histoire-là. Bref, cet État soviétique qui a écrasé en quelque sorte les peuples de l'Empire russe, lui aussi a laissé un souvenir, et ce rééquilibrage en quelque sorte auquel procède l'État russe aujourd'hui, c'est précisément cela, c'est-à-dire la volonté d'établir des pactes fédératifs avec des entités politiques, avec des entités ethno-culturelles existantes, en respectant leur religion, leur culture, etc., et simultanément d'établir le principe d'un État qui se pense en termes de puissance fédérale et donc d'une certaine façon d'empire, en tout cas de civilisation. En arrêtant digérer, d'assimiler ces parties et en essayant de ne pas faire dépendre les coopérations d'État, les coopérations fédérales, d'une culture commune, mais en respectant les cultures communes qui permettent les coopérations locales, les coopérations dans les républiques, d'une certaine façon. Cet équilibre en permanence entre le respect de la diversité constitutive des peuples et en même temps la nécessité de les unifier, de les maintenir ensemble sous un principe collectif, sous un principe politique commun, c'est le génie politique par définition. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment, dans votre théorie, définiriez l'État d'Israël? Alors, l'État d'Israël... Le problème, c'est que l'État d'Israël, c'est un État colonial, qui arrive à contre-temps dans l'histoire, précisément commence à devenir un État colonial au moment précisément où s'instaure la décolonisation, qui dépend. Donc c'est un État colonial qui arrive à contre-temps, et qui est un État colonial expansionniste, qui porte en même temps, parce que rien n'est...
rien n'est jamais simple, qui portent en même temps des aspirations, qui sont des aspirations profondes, anciennes, dont certaines ont été synthétisées politiquement, mais qui remontent à des, je dirais, à des millénaires presque, d'une certaine façon. La façon dont l'élite s'organise, la façon dont les gens se pensent, se conçoivent eux-mêmes, se définissent eux-mêmes, c'est un processus extrêmement complexe. On sait, si on s'en tient à la génétique, par exemple, si on veut être très terre-à-terre, que les Israéliens aujourd'hui ne sont pas les descendants des Juifs de l'Antiquité dans cette région-là. On le sait. C'est génétiquement parlant, c'est simple. Les plus proches de ces des populations qui vivaient dans ces États à l'époque sont des Palestiniens qui sont aujourd'hui convertis à l'islam, ou les Samaritains, etc. Génétiquement parlant, il n'y a aucun doute. En même temps, la population israélienne, c'est une population largement européenne, génétiquement, avec en même temps des gènes, des apports génétiques de populations berbères, kabyles, et des apports de populations locales, typiquement touraniennes, et aussi issues de cette région-là. Mais, en fait, on est le cas type d'un mythe politique. C'est un mythe politique. C'est un mythe politique qui a acquis une force, une puissance phénoménale, parce que les gens qui ont créé ce mythe politique, qui l'ont fait surgir en quelque sorte de la terre, le portent dans leur cœur, dans leurs espérances, depuis des siècles. Voilà, je vous ai fait une réponse très très neutre. J'ai deux choses très personnelles à vous dire là-dessus. C'est de notoriété publique, j'ai toujours été particulièrement touché, sensible, par le sort des Palestiniens autochtones sur leur terre, depuis la Nakba, depuis que je connais l'histoire du peuple palestinien, j'ai toujours été, quelque sorte, bouleversé, par le sort de cette population. Fondamentalement. En même temps, je comprends de quoi procède, en étant réaliste, de quoi procède la volonté de puissance israélienne, d'où elle vient, de quoi elle procède, et cette volonté de puissance qui est en train de faire l'histoire, parce qu'elle ne s'effacera pas comme ça, cet état ne disparaîtra pas, fait que cette institution politique, cette force politique, cette volonté de puissance qui a créé une force politique, est un acteur politique. Et donc, si on fait de la politique, on discute avec les acteurs politiques qui existent. C'est-à-dire, on peut toujours dire, ça ne devrait pas être là, lui, il n'est pas gentil, il n'est pas bon, lui, il avait fait souffrir machin, truc mûche, machin, etc. De Gaulle, rétablissant ses relations avec l'Allemagne, travaillant avec Adenauer, ou faisant des visites à l'administration soviétique à une époque où c'était un peu compliqué, même s'il n'a jamais été dupe, sur les légitimations, enfin la façon dont cette conquête et dont ce processus colonial a eu lieu, était avant tout un réaliste politique. En tant que réaliste politique, je dis, l'État d'Israël, dans la mesure où il existe et dans la mesure où il est capable aussi de produire, d'instituer la réalité politique avec laquelle il faut compter, doit devenir un interlocuteur avec lequel il faut avoir des relations diplomatiques et politiques. Ça ne veut pas dire suivre leurs intérêts ni défendre leur point de vue, ça veut dire considérer qu'ils existent et qu'il faut faire avec. En même temps, je ne suis pas au pouvoir, c'est pas moi qui leur ai fourni la bombe atomique, on sait qu'ils doivent avoir quelque chose comme 200 ou 250 têtes nucléaires, c'est pas moi qui leur ai donné la bombe atomique, et à aucun moment de ma vie, je n'ai pensé que ce processus de colonisation était légitime. Mais le réalisme politique fait que ils sont là, c'est un État constitué qui se constitue et qui s'étend par la violence, certes. Pour moi, du point de vue français, je considère que c'est un problème à plusieurs niveaux, et c'est en particulier un problème parce que je pense que nous ne pourrons pas régler les problèmes qui se posent à nous, en particulier les problèmes démographiques qui se posent à nous dans l'avenir, si on se met en situation de les régler dans la dizaine d'années qui viennent, après ça va être un peu compliqué, on ne pourra pas le faire tant que nous n'aurons pas stabilisé notre périmètre immédiat, c'est-à-dire le pourtour méditerranéen. Et on ne pourra pas stabiliser le pourtour méditerranéen tant que l'État d'Israël, soit on attendra que l'État d'Israël n'existe plus, ce qui n'arrivera pas, soit que l'on laissera à Israël la possibilité ou la volonté de déstabiliser son propre pourtour, typiquement le Liban, la Syrie, etc. etc. Bref, équilibre.
On va prendre les dernières, les deux dernières, monsieur là-bas et monsieur, puis monsieur, monsieur là-bas. Allez-y. J'ai une question. Merci pour la conférence tout d'abord. Est-ce qu'on ne peut utiliser ce stress au sein du peuple, le stress de disparition, dans un but anti-étatique? C'est notamment ce que ont pu démontrer les historiens Christian Grau et Johann Chapoteau dans leur description du nazisme sur un certain anti-étatisme nazi qui pourrait peut-être qui a utilisé cette crainte eschatologique au sein du peuple allemand pour mener la guerre et pour détruire l'État. Alors, je suis pas certain que le nazisme soit un bon exemple, parce que c'était un jeu de ce point de vue-là, parce que, non pas parce que c'est le nazisme, mais plus fondamentalement parce que, on en parle en tant que, sur le plan de l'histoire. Mais parce que fondamentalement, je suis pas certain exactement que ça, que ce soit ce qui s'est passé réellement, dans l'État, truc, dans l'État allemand à l'époque. Par bien des aspects, le nazisme est un jacobinisme, par certains aspects, mais bref, on va pas lancer dans une discussion sur le nazisme. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on peut opposer un vortex coopératif politique, c'est-à-dire une coopération sous stress vital, hors État, pour renverser la vapeur, en quelque sorte, et créer une dynamique politique et réinstaller l'État au cœur de l'État. C'est un peu comme ça que je comprends votre question. Alors, expliquez-moi encore. C'est... cette forme d'eschatologie dans un but de créer des agences, d'analyser l'État, ou dans une idéologie raciale, on va dire, d'un certain anarchisme racial qui voudrait établir dans les pays de l'Est et dans la zone de conquête. C'était plus ou moins l'enjeu. Ah d'accord. Donc oui, vous voulez dire que l'État national socialiste a usé des guerres de quatrième génération pour déstabiliser des États autour de lui en utilisant typiquement les Sudètes, etc., pour créer des foyers de dissension à l'intérieur d'États multiethniques autour de lui. Et les déstabiliser, bah, c'est typiquement ce que fait Israël actuellement, mais c'est typiquement ce que font les États-Unis, c'est typiquement ce qu'a fait la France et la plupart des pays européens en Afrique, etc., etc. Je veux dire, tout État faisant un modèle de guerre coloniale, tout c'est à fait classique. C'est un modèle tout à fait classique qui consiste à utiliser la diversité intérieure et la, je dirais, le manque d'homogénéité intérieure. Bah, relisez Machiavel quand il parle de Louis XII dans le Milanais. Bon, c'est très clair. Il explique très bien que s'il avait mis en place des colonies à l'époque, il aurait peut-être pas eu ce problème-là, d'ailleurs. Bref. On va dire que c'est une recette très ancienne de l'État que de s'assurer le soutien des populations lésées par le prince précédent, l'État précédent. Je parle du prince parce que je parlais de Machiavel. Mais c'est une technique habituelle. Est-ce que c'est à notre, qu'en dire, si ce n'est que c'est un outil de déstabilisation classique pratiqué par tous les États du monde. Par contre, je voudrais revenir sur les questions que vous n'avez pas posées, mais du coup que j'ai posées en interprétant mal votre question. Est-ce que l'on peut opposer une coopération sous stress vital à, je dirais, aux institutions, aux usurpations actuelles, etc. C'est mon travail, d'une certaine façon, c'est de penser... c'est toujours d'essayer de chercher le grain de sable depuis des années. Voilà, j'essaie toujours d'analyser les phénomènes de telle façon qu'ils puissent permettre l'action. Je pense qu'effectivement le stress existe déjà. Il y a déjà un stress vital dans la population. Il y a une inquiétude profonde. Il est important simplement de mettre des mots dessus et de lui permettre de s'incarner politiquement. La gestion des stress par l'État ingénieriste se fait extrêmement bien. Hein, c'est-à-dire que la façon de gérer les stress vitaux de la population, ces fameux mouvements d'inquiétude, ces peurs profondes qui sont latentes dans la population, par la séparation. Alors la séparation n'est pas toujours illégitime entre quelqu'un qui pense que le plus gros problème sur Terre, c'est de savoir s'il va pouvoir se coller les mains sur le bitume, pour etc. Et puis l'autre, enfin bon bref. Je dirais entre Manu qui s'est fait piquer son pain au chocolat par Mohamed dans la cour de récréation et qui pense que le seul problème de la France c'est les Arabes, et puis Machin qui pense que c'est la crise climatique et qu'on va tous crever demain matin et qui arrête de faire des bébés, c'est vrai que ça va être compliqué de leur trouver un point commun ces deux-là. Mais précisément, il arrive un moment dans notre histoire où, sous l'effet de menaces réelles, menaces démographiques, l'immigration typiquement est un stress vital, mais aussi économique, géopolitique, guerre, etc.
des stress sont capables de permettre à des populations de transcender leurs différences, de transcender leur stress individuel. Toute notre histoire, nous, pourquoi est-ce qu'on est plus sensible à un point ou à un autre? Je prenais un exemple un peu caricatural de Manu qui s'est fait piquer son pain au chocolat par Momo dans la cour de récréation. Bon, c'est une façon un peu désagréable et un peu objectivement pas très sympa de parler de quelque chose qui est parfois beaucoup plus solide et beaucoup plus sérieux que ça. Ne perdez pas de vue que ce qui fait prédominer un stress chez un individu, c'est toujours aussi son histoire personnelle. Et on n'a pas tous la même histoire. C'est pour ça qu'on n'a pas tous le même stress prioritaire. Je ne dis pas qu'on ne peut pas en avoir plusieurs, des stress prioritaires. Mais typiquement, vous voyez bien ce qui se passe. Quand vous avez, par exemple, les attentats, vous avez des gens qui vont vous dire tout de suite, oui, bah regardez, ils vont mettre des lois liberticides, machin. Quand vous avez... Ce que je veux dire, c'est que chaque stress qui essaye de coloniser l'ensemble de la population pour unifier la population dans une réaction de coopération sous stress vital est systématiquement coupé en morceaux par les stress individuels. Et l'État sait très bien jouer de ça. D'ailleurs, il y a des tas de chaînes d'information qui lui permettent, à des moments clés, de pouvoir faire montrer un stress contre un autre pour occuper, en quelque sorte, pour empêcher précisément ces fusions, ces phénomènes de fusion sociale sous stress vital. Est-ce qu'on va y arriver ? Je pense que c'est possible, ça arrivera, mais malheureusement, ça n'arrivera qu'au prix d'un stress justifié, c'est-à-dire très probablement d'un état de stress vital extrêmement intense qui balayera, en quelque sorte, les petites divergences ou les petites histoires personnelles pour créer à nouveau un collectif, un organisme collectif politique. J'ai bien peur, malheureusement, que ces processus soient assez caractéristiques des processus qui génèrent les guerres civiles. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.